Dieu, viens à mon aide, Seigneur, viens vite à mon secours, tu es mon secours, mon libérateur. Seigneur, ne tarde pas. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Frères et sœurs, préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Prends pitié de nous, Seigneur, nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde et donne-nous ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Kyrie, Kyrie, eleison. Christe, Christe, eleison. Kyrie, Kyrie, eleison. Prions le Seigneur. Sois proche, Seigneur, de ceux qui te servent et montre à ceux qui t'implorent ton éternelle bonté. C'est leur fierté d'avoir en toi leur Créateur et leur Guide. Restaure pour eux ta création et l'ayant renouvelée, protège-la. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit. Dieu pour les siècles et les siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Jérémie. En ce temps-là, oracle du Seigneur, je serai le Dieu de toutes les familles d'Israël, et elles seront mon peuple. Ainsi parle le Seigneur. Il a trouvé grâce dans le désert, le peuple qui a échappé au massacre. Israël est en route vers celui qui le fait reposer. Depuis les lointains, le Seigneur m'est apparu. Je t'aime d'un amour éternel. Aussi, je te garde ma fidélité. De nouveau, je te bâtirai, et tu seras rebâti, Vierge d'Israël. De nouveau, tu prendras tes tambourins de fête pour te mêler aux danses joyeuses. De nouveau, tu planteras des vignes dans les montagnes de Samarie. Et ceux qui les planteront en goûteront le premier fruit. Un jour viendra où les veilleurs crieront dans la montagne d'Éphraïm. Debout, montons à Sion vers le Seigneur notre Dieu. Car ainsi parle le Seigneur, poussez des cris de joie pour Jacob, acclamez la première des nations, faites résonner vos louanges et criez tous, Seigneur, sauve ton peuple, le reste d'Israël. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Écoutez, nations, la parole du Seigneur, annoncez dans les îles lointaines, celui qui dispersera Israël le rassemble. Il le garde comme un berger son troupeau. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Le Seigneur a libéré Jacob, l'a racheté des mains d'un plus fort. Ils viennent criant de joie sur les hauteurs de Sion, ils affluent vers les biens du Seigneur. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. La jeune fille se réjouit, elle danse. Jeunes gens, vieilles gens, tous ensemble, je change leur deuil en joie, les réjouis, les console après la peine. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Un grand prophète s'est levé parmi nous et Dieu a visité son peuple. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus se retira dans la région de Tyr et de Sidon. Voici qu'une Cananéenne venue de ces territoires disait en criant,
Prends pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est tourmentée par un démon. » Mais il ne lui répondit pas un mot. Les disciples s'approchèrent pour lui demander « Renvoie-la, car elle nous poursuit de ses cris. » Jésus répondit « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Mais elle vint se prosterner devant lui en disant « Seigneur, viens à mon secours. » Il répondit « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » Elle reprit « Oui, Seigneur, mais justement, les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Jésus répondit « Femme, grande est ta foi, que tout se passe pour toi comme tu le veux. » Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Acclamons la parole de Dieu. C'est bien que cet évangile fait souvent grincer les dents ceux qui l'entendent. Ils ne comprennent pas comment le Christ peut parler ainsi à cette femme. En réalité, il faut aller toujours jusqu'au bout de cette rencontre. Le Seigneur veut par ce moyen-là, non seulement pour elle, mais pour ceux qui l'entourent, montrer qu'il faut grandir dans la foi, aller plus loin encore dans notre foi au Seigneur. Et alors qu'elle semble rebutée dans sa demande, eh bien le Seigneur va l'aider à faire en sorte qu'elle se confie encore plus au Seigneur. Seigneur, viens à mon secours. Justement, les chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. En réalité, cela correspond peut-être à notre propre expérience de la prière, de la supplication auprès de Dieu. Bien souvent, nous avons l'impression que le Seigneur ne nous écoute pas, même peut-être nous rejette. Eh bien, c'est l'occasion pour chacun de nous de grandir encore dans la foi, d'augmenter notre foi dans le Seigneur, de nous attacher encore plus à lui et à lui seul. Parce que peut-être nous avons encore trop d'attachement à des choses qui sont inutiles, secondaires, qui vont même nous détourner du Christ. Et en ne nous répondant pas tout de suite, le Seigneur nous invite, nous incite à faire grandir chacun la foi qui nous habite. Demandons donc au Seigneur d'être capable de grandir dans la foi, que les événements de nos vies, heureux ou malheureux, soient toujours une occasion de grandir dans la foi et de nous tourner encore et encore vers le Seigneur. Amen.
Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice, à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Dans ta bonté, sanctifie ces dons, nous t'en prions, Seigneur. Accepte le sacrifice spirituel que nous t'offrons. Fais de nous-mêmes une éternelle offrande pour toi, par le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Pour la prière eucharistique numéro 4. Vraiment, il est bon de te rendre grâce. Il est juste et bon de te glorifier, Père très saint, car tu es le seul Dieu, le Dieu vivant et vrai. Toi qui es avant tous les siècles, tu demeures éternellement, lumière au-delà de toute lumière. Toi, le Dieu de bonté, la source de la vie, tu as fait le monde pour que toute créature soit comblée de tes bénédictions et que beaucoup se réjouissent de l'éclat de ta lumière. Ainsi, la foule innombrable des anges qui te servent jour et nuit se tiennent devant toi, et contemplant la splendeur de ta face, n'interrompent jamais leur louange. Unis à leur hymne d'allégresse avec la création tout entière qui t'acclame par nos voix. Dieu, nous te chantons. Sanctus, 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 Deus Sabaoth. Sanctus, 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 Deus Sabaoth. Plenis sunt celi et terra, gloria tua. Hosanna in excelsis Deo, Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis Deo, Hosanna in excelsis. Benedictus qui venit in nomine Domini, Hosanna in excelsis Deo, Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis Deo, Hosanna in excelsis. Père très saint, nous proclamons que tu es grand, tu as fait toutes choses avec sagesse et par amour. Tu as créé l'homme à ton image, tu lui as confié l'univers, afin qu'en te servant, toi seul, son créateur, il règne sur la création. Comme il avait perdu ton amitié par sa désobéissance, tu ne l'as pas abandonné au pouvoir de la mort. Dans ta miséricorde, tu es venu en aide à tous les hommes pour qu'ils te cherchent et puissent te trouver. Tu as multiplié les alliances avec eux et tu les as formés par les prophètes dans l'espérance du salut. Tu as tellement aimé le monde, Père très saint, que tu nous as envoyé ton Fils unique lorsque les temps furent accomplis pour qu'il soit notre Sauveur. Dieu fait homme, conçu de l'Esprit Saint et de la Vierge Marie, il a vécu notre condition humaine en toute chose excepté le péché. Annonçant aux pauvres la bonne nouvelle du salut, aux captifs la délivrance, aux affligés la joie. Pour accomplir les desseins de ton amour, il s'est livré lui-même à la mort. Et par sa résurrection, il a détruit la mort et renouvelé la vie. Afin que désormais notre vie ne soit plus à nous-mêmes, mais à lui qui est mort et ressuscité pour nous, il a envoyé auprès de toi, Père, comme premier don fait aux croyants, l'Esprit Saint, qui continue son œuvre dans le monde et achève toute sanctification. Que ce même Esprit Saint, nous t'en prions, Seigneur, sanctifie ces offrandes, qu'elles deviennent ainsi le corps et le sang de notre Seigneur, Jésus, le Christ, dans la célébration de ce grand mystère que lui-même nous a laissé en signe de l'alliance éternelle. Quand l'heure fut venue où tu allais le glorifier, Père très saint, comme il avait aimé les siens qui étaient dans le monde, il les aima jusqu'au bout. Pendant le repas qu'il partageait avec eux, il prit le pain. Il le rompit et dit la bénédiction, le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, il prit la coupe remplie de vin, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang,
le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Voilà pourquoi, Seigneur, nous célébrons aujourd'hui le mémorial de notre rédemption, en rappelant la mort du Christ et sa descente au séjour des morts, en proclamant sa résurrection et son ascension à ta droite, en attendant sa venue dans la gloire. Nous t'offrons son corps et son sang, le sacrifice qui est digne de toi et qui sauve le monde entier. Regarde, Seigneur, celui qui s'offre dans le sacrifice que toi-même as préparé pour ton Église. Et dans ta bonté, accorde à tous ceux qui vont partager ce pain et boire à cette coupe d'être rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps pour qu'ils deviennent eux-mêmes dans le Christ une vivante offrande à la louange de ta gloire. Maintenant, Seigneur, rappelle-toi tous ceux et celles pour qui nous offrons le sacrifice. En premier lieu, ton serviteur, notre pape François, notre évêque Marc, l'ensemble des évêques, les prêtres et des diacres, les fidèles qui présentent cette offrande, les membres de notre assemblée, le peuple entier qui t'appartient et tous ceux et celles qui te cherchent avec droiture. Souviens-toi aussi de ceux qui sont morts dans la paix du Christ, de Pierre Batty, Francis Tarascon, Pierre Bisotta, Frida et Viviane Nana, Laure Jétain. Et de tous les défunts dont toi seul connais la foi. À nous qui sommes tes enfants, accorde, Père très bon, l'héritage de la vie éternelle auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, auprès de Saint Joseph, son époux, des apôtres et de tous les saints dans ton royaume. Nous pourrons alors, avec la création tout entière, enfin libérés de la corruption du péché et de la mort, te glorifier par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de chaque jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous les pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règne pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec vous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde.
Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Je suis le pain de la vie, dit le Seigneur. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Thank you.
suffit. Prions le Seigneur. Seigneur, entoure d'une constante protection ce que tu as renouvelé par le don du ciel, puisque tu ne cesses de les réconforter, rends-les dignes de la rédemption éternelle. Par le Christ, notre Seigneur. Allez, dans la paix du Christ. L'ange du Seigneur porta l'annonce à Marie. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je suis la servante du Seigneur. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs. Et le Verbe s'est fait chair. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu. Prions. Daignez, Seigneur, répandre votre grâce en nos âmes, afin qu'ayant connu par le message de l'ange l'incarnation de votre Fils bien-aimé Jésus-Christ, nous parvenions par les mérites de sa passion et de sa croix à la gloire de la résurrection par le même Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Pachies Onde, monnier de la Figaro, qui vont nous conserver avec nous.